Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence. Donc, je suis sincèrement ravi de vous retrouver en présentiel cette fois-ci et avec public. C'est une première pour moi. Donc, je suis très, très content d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer la conférence, j'aimerais faire un avertissement de contenu sensible. Donc, pour éviter tout traumatisme ou toute douleur reliée à certains sujets. Donc, il sera entre autres question des pensionnats autochtones, de sévices physiques et psychologiques ainsi que de racisme. Donc, voici pour l'avertissement de contenu sensible. Donc, de façon générale, pour les enfants, le premier contact avec les cultures autochtones vient du cours d'éducation à la citoyenneté au primaire, qui aborde l'histoire des peuples autochtones, une partie de leur culture et de leur mode de vie, ainsi que leur relation avec les colons européens lors de la découverte de l'Amérique du Nord. Mais par la suite, ce contact avec la culture autochtone et avec l'histoire autochtone en général est à peu près absent, particulièrement en littérature jeunesse. Donc, pour les enfants, au-delà du cours d'univers social, il y a peu ou pas de contact avec la culture et l'histoire autochtone. Heureusement, de plus en plus de créateurs et créatrices autochtones écrivent de la fiction pour la jeunesse, pour mettre de l'avant leur culture et leur histoire. Donc, le corpus d'aujourd'hui sera majoritairement constitué d'œuvres écrites et illustrées par des créateurs et créatrices autochtones. Il va y avoir quelques cas d'auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices allochtones, mais en termes de représentativité, c'est majoritairement un corpus autochtone. Je trouvais ça important parce que moi-même étant allochtone, je voulais donner la parole aux peuples autochtones et ce en tout respect, et c'est un intérêt donc tout à fait respectueux et sincère que je porte à leur histoire et à leur culture. Donc, voilà. Alors, la structure de la conférence d'aujourd'hui est divisée en trois blocs. J'espère avoir le temps de tout couvrir parce que j'ai quand même beaucoup de lectures, de passages à faire pour illustrer mon propos. Donc, les blocs vont comme suit. Premier bloc, le documentaire et la biographie de personnages historiques et de situations historiques, justement, en lien avec les Autochtones. Donc, qui est représenté et comment on représente les personnages et les enjeux autochtones dans le documentaire et la biographie historique. Le deuxième bloc portera spécifiquement sur les pensionnats dans la fiction historique et la fiction autobiographique. Donc, c'est vraiment le bloc où les propos plus sensibles vont être abordés. Et le troisième, qui va porter sur la représentation des personnages autochtones dans les fictions historiques allochtones, donc écrites par des auteurs et autrices qui ne sont pas autochtones, pour voir comment des auteurs et autrices blancs vont représenter les personnages autochtones dans la fiction historique. Évidemment, j'ai dû faire des choix en termes de corpus parce que, d'une part, je voulais vraiment me concentrer sur un corpus plus contemporain parce que c'est là que la production est plus importante. D'autre part, comme on le sait, depuis plusieurs années, la mentalité a évolué aussi. Donc, je ne voulais pas me plonger dans des romans qui dataient un peu et dont déjà avec la terminologie et tout aussi. Donc, c'est des choix éditoriaux que j'ai faits. Et en 45 minutes, je ne pouvais pas couvrir un corpus extensif et exhaustif non plus, donc j'ai quand même dû faire des choix, mais je pense que les choix sont quand même représentatifs de la situation actuelle en littérature pour la jeunesse. Alors, sans plus attendre, commençons avec le premier bloc, celui sur les documentaires. Donc, il y a, en 2019-2020, les éditions Aninorak ont publié une collection de bandes dessinées biographiques présentant des personnages importants au niveau des personnages autochtones importants, mais qui ont été peu ou pas présentés dans l'histoire, que ce soit pour les adultes ou pour la jeunesse aussi. Il s'agit de la collection Nation Big Spirit d'hier à aujourd'hui. Donc, chacune des bandes dessinées biographiques reprend la même structure. En gros, on a un enfant autochtone de la nation Big Spirit, donc un enfant contemporain, vraiment d'aujourd'hui, qui va vivre une situation X qui va l'amener à entrer en contact avec l'histoire d'un personnage historique autochtone important. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur écrit « membre de la nation Norway House ». Donc, c'est vraiment un auteur qui parle de sa propre histoire et de sa propre culture. Donc, j'ai quelques exemples pour vous. Pour commencer, dans l'éclaireur, Tommy Prince, on va présenter une jeune fille qui va dans un parc commémoratif et ils vont jouer, en jouant au baseball, elle va chercher sa balle et va tomber sur un vétéran autochtone qui se recueille devant une statue
en hommage à Tommy Prince, qui est le soldat autochtone le plus décoré du Canada, qui est un soldat qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était un tireur d'élite d'exception, un trappeur et un soldat vraiment exceptionnel. Et c'est le soldat autochtone le plus décoré. Donc, on va découvrir son histoire à travers les yeux de la jeune fille. On a aussi le rebelle Gabriel Dumont. Cette fois-ci, ce sont deux garçons dans leur cours d'histoire, en fait, qui doivent faire un devoir dans le cours d'histoire. Et l'un d'entre eux a fabriqué une machine capable capable de matérialiser un personnage historique. Et il va choisir Gabriel Dumont. Gabriel Dumont, en fait, est l'un des chefs rebelles qui, avec Louis Riel, va participer à la rébellion du Nord-Ouest et à la bataille de Batoche en Saskatchewan, justement, avec Louis Riel. Donc, le personnage, cette fois-ci, historique, est amené dans la réalité contemporaine et va raconter son histoire aux deux garçons. Dans le cas de le chef Mistahi Maskwa, je ne veux pas mal prononcer. Donc, dans ce cas-ci, c'est une jeune fille qui va perdre une biographie, justement, parce qu'elle rencontre un ours au détour d'un sentier en prenant un raccourci après l'école. Donc, elle va laisser tomber son livre et pour se sauver. Et le lendemain, elle va retrouver le livre à son plus grand soulagement. Et en ouvrant les pages du livre, elle va être transportée à Terre-Neuve, en 1832, en fait, c'est à... non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, le chef. Oui, exactement. Donc, elle se retrouve transportée en 1832 en Saskatchewan, en fait, pardon. Et elle va connaître l'histoire de ce grand chef de la Saskatchewan qui va être vraiment d'une importance capitale pour l'histoire de la province aussi et pour l'histoire de sa propre tribu aussi. Et là aussi, l'héritage de Nancy Haprill. Cette fois-ci, on va partir à la rencontre de la dernière survivante d'une nation de Terre-Neuve qui autrefois était florissante et qui, peu à peu, va s'éteindre en raison des contacts avec les Blancs aussi. Donc, il y a 7 tomes au total qui ont été publiés en 2019 et 2020. Et chacun des tomes présente un personnage spécifique avec une mise en contexte historique. Donc, et les jeunes vont, à travers la bande dessinée, à travers la rencontre de ces personnages-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les jeunes autochtones d'aujourd'hui vont en apprendre davantage sur leur histoire et leur culture. Évidemment, les jeunes blancs et les jeunes autochtones qui pourraient lire ces bandes dessinées-là aussi vont en apprendre tout autant. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment le parallèle avec la vie des enfants d'aujourd'hui et comment... les personnages autochtones importants pour l'histoire des Autochtones pourraient modeler, peuvent avoir un impact positif sur la vie de ces enfants-là. On va ensuite passer à Odibi, qui est une bande dessinée historique qui raconte l'histoire. Odibi voyage dans l'histoire Anishinaabe de Lac-Simon. Donc, on va parler de la... communauté de Lac-Simon, qui est en Abitibi, si je ne me trompe pas. Alors, je vais juste... Parfait. Donc, je vais vous lire la C4 pour vous mettre en contexte. Ce ne sera pas très... Alors... Qui sont les gens de la communauté Anishinaabe de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue au Québec? Absents des livres d'histoire, ces membres ont voulu se raconter eux-mêmes dans les pages de cette bande dessinée. En effet, avant d'habiter dans une réserve indienne, ils vivaient des ressources de leur territoire où ils se déplaçaient de campement en campement. Ce récit s'adresse à toutes et à tous. Il a été reconstitué à partir d'entrevues et de témoignages recueillis par le groupe Miyagi, composé de Simo Sagahijinik et d'anthropologues de l'Université de Montréal. Deux des dessinateurs et dessinatrices sont Anishinaabe et deux sont Québécois. Odibi vous offre un petit voyage à travers l'histoire, les savoirs et le territoire de familles qui ont dû affronter les défis de la colonisation avant de s'installer dans le village sédentaire de Lac-Simon. Dans le lexique de fin, vous apprendrez quelques mots de leur belle langue. Et voilà. Donc, là, c'est une citation. « Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». Cette bande dessinée est née du désir de faire connaître l'histoire des Simo Sagahijinik, les Anishinaabe de Lac-Simon.
Ce projet était celui de Jean Papaty, aîné et ancien chef de la communauté. Pour le réaliser, le groupe Miyagi, créé en 2016, y a travaillé pendant plusieurs années. Ce groupe était composé de Jean-Alex Chizo, Lucien Wabanonic, Virginia Dumont et Marlène Jérôme de Lac-Simon, ainsi que de Marie-Pierre Bousquet et Laurence Amel Charret de l'Université de Montréal. Miyagi a mené ses recherches auprès des membres de la communauté. Cette bande dessinée constitue une version abrégée des résultats de la recherche. L'histoire présentée est celle des familles de Lac-Simon et elle est racontée de leur point de vue. Certaines illustrations nous ont été fournies par les Anishinabés, d'autres sont issues des archives. Donc, ce qu'on constate, c'est que cette bande dessinée, en fait, démontre la volonté des créateurs de raconter une histoire qui est absente de l'histoire officielle, comme ils le mentionnent eux-mêmes dans la C4, donc dans le résumé du livre. C'est que l'histoire de la communauté de Lac-Simon n'existe pas dans l'histoire officielle du Québec, ou du moins telle qu'elle est racontée et qu'elle est enseignée aux enfants. Donc, le groupe Miyagi trouvait important de présenter cette histoire autant aux lecteurs autochtones qu'aux lecteurs allochtones. Alors, je vais lire une nouvelle citation. Je vais retourner encore une fois. Okay. Okay. Ce ne sera pas long, je m'excuse. Ma tablette est un peu lente. Alors. On y va. Nous venons du territoire. Ces territoires, notre Niktakinan, était très grand. Il s'étendait de la frontière de la baie James au nord jusqu'au Saint-Laurent au sud. Le territoire est la mémoire des familles. On y trouve des portages, des rochers imposants, des cimetières, des sites d'embuscade. Chaque lieu porte un nom en Anishinabé, comme la rivière Notaoué. Anciennement, les familles se transmettaient des informations entre elles en faisant des marquages sur les arbres. Donc, ce qui est intéressant déjà avec ce passage, c'est qu'on montre et on rappelle à quel point la toponymie du Québec est fortement imprégnée des cultures autochtones, de l'histoire autochtone et des langues autochtones aussi, même si on a tendance parfois à vouloir effacer cette histoire au profit d'une histoire racontée par les Blancs. Donc, comme on le dit souvent, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Ici, c'est une histoire des colonisateurs aux dépens des colonisés, donc des Premières Nations qui étaient déjà sur place à l'arrivée des colons. Heureusement, il y a certaines initiatives contemporaines, dont le remplacement du nom de la rue Amherst, par exemple, qui visent à réparer certaines erreurs historiques qui ont été faites et à ramener dans la conscience collective et la culture collective l'importance de la toponymie et de la culture autochtone. Je reprends. Chez nous, il y a 6 saisons. Avant que le calendrier scolaire ne rythme la vie de la communauté, nous vivions au rythme des saisons. L'hiver, nous nous déplacions en raquette, et là, en parenthèse, à Gamac, sur le territoire, et l'été en canot, également en parenthèse, Tikman. Et là, on a le nom des saisons, donc Nibin, qui est l'été, Minokamin, le printemps, Sigon, le pré-printemps, Tagwajin, l'automne, Pidjipibon, pré-hiver et puis bon, hiver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate à quel point, pour les Autochtones, leur culture a été profondément transformée par les Blancs. Donc, on mentionne explicitement avant l'arrivée du calendrier scolaire, donc la question des pensionnats et par la suite de la scolarisation à l'européenne, dirons-nous, avec un calendrier scolaire défini qui couvre le mois de, habituellement, août, septembre jusqu'au mois de juin, alors que pour les Anishinabés, l'année était composée de 6 saisons et chaque saison était l'occasion d'avoir différents événements importants pour la communauté. Et au contact des Blancs, ils ont été forcés, évidemment, d'adopter le calendrier scolaire et donc de changer leur mode de vie. Donc, ils tiennent à rappeler quand même qu'avant l'arrivée des Blancs, ils avaient quand même une culture, ce qui est important de noter aussi, parce qu'on s'éloigne du stéréotype historique qui veut que les sauvages n'avaient pas de culture, n'avaient pas d'organisation et tout, et qu'ils devaient être, en grosses guillemets, civilisés. Et là aussi, quand j'utilise le terme sauvage, évidemment, ce n'est pas dans un but péjoratif, c'est vraiment uniquement un terme qui a été longtemps utilisé dans l'histoire pour les désigner, tout comme le nom indien ou même amérindien, qui sont en fait
des erreurs historiques de la part des premiers colons européens qui étaient convaincus d'avoir trouvé l'Inde, etc. Donc, maintenant, les Autochtones et les membres des Premières Nations veulent se réapproprier leur vocabulaire. Donc, oui, dans certaines citations, c'est dans le texte ce que je mentionne, mais quand même, il y a une volonté de la part des peuples autochtones de se réapproprier leur identité, et ça passe par le vocable et par les appellations aussi, donc c'est très important. Alors, je poursuis avec une nouvelle citation. Ça ne sera pas long, je m'excuse. OK. Alors. Donc, on a une ligne du temps qui couvre à peu près les 100 dernières années. Donc, 1939, construction de la route 117. Il est interdit aux Anishinabés d'être vus à moins d'un kilomètre du bord de la route. Et j'insiste, d'être vus à moins d'un kilomètre du bord de la route. 1940, toute la communauté de Lac-Simon est présente lors de la visite de l'évêque Joseph-Louis Aldé Desmarais. 1951, l'armée canadienne a mis longtemps à reconnaître la participation autochtone à la Seconde Guerre mondiale. Il reste quelques anciens combattants à Lac-Simon, mais c'est une période difficile de leur histoire dont ils préfèrent ne pas parler. Donc, on voit que même chez les Autochtones, il y a des événements historiques qui sont difficiles et qu'ils préfèrent ne pas aborder ou dont ils préfèrent ne pas parler. 1970, déménagement des 13 petites maisons du bas de la côte vers le nouveau village, déménagement de l'église. 1969-1970, construction des 23 premières maisons en haut de la côte. 1973, fermeture du pensionnat d'Amos. 1975, inauguration de l'école Amic-Wiché. 1980, la radio communautaire, créée en 1972, est reconnue par le CRTC et devient Chute FM. Au début, la radio opérait depuis le sous-sol de l'église et son antenne était sur le clocher. 2019, notre communauté compte plusieurs modèles inspirants comme Jerry Hunter, un danseur Anishinaabe qui a participé aux célébrations de la fête du Canada à Ottawa, et Hakim Rat, jeune joueur de hockey prometteur. Donc, ce qui est intéressant avec cette ligne du temps, c'est qu'elle démontre les accomplissements et les défis de la communauté Anishinaabe de Lac-Simon, ainsi que des exemples patents du paternalisme et du racisme des Blancs envers la communauté Anishinaabe, particulièrement dans le cas de la route où j'ai insisté sur le fait que les Anishinaabe n'avaient pas le droit d'être vus. Donc, c'est même pas une question d'utiliser la route ou de s'en servir, c'est qu'ils ne pouvaient pas être vus. Donc, ils devaient se cacher, ils ne pouvaient même pas s'approcher. Et cette route-là, évidemment, traversait leurs territoires ancestraux. Donc, on leur interdisait l'usage d'un territoire qui leur appartenait sans qu'il y ait eu compensation et sans aucune raison valable, si ce n'est qu'une question de paternalisme et de racisme, comme on en voit encore des exemples patents aujourd'hui. Et une dernière citation pour terminer sur ce livre. En fait, d'ailleurs, justement, j'en ai une autre aussi qui montre à quel point l'attitude des Blancs envers la communauté Anishinaabe les a profondément blessés aussi. Donc, c'est comme si notre mode de vie dérangeait le développement du nouveau pays, nous qui vivions ainsi depuis des centaines d'années. Et pour ceux que ça intéresse, il est question aussi de la création du pensionnat d'Amos qui a été un épisode marquant, voire troublant et traumatisant aussi pour la communauté, comme l'ont été tous les épisodes de pensionnat dans l'histoire des Autochtones au Québec et au Canada, dont on va parler dans le prochain bloc aussi. Donc, ce ne sera pas long. Les joies de la technologie qui ne collaborent pas quand on veut, quand on en a besoin. Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc, dernière citation pour ce documentaire très, très intéressant. Alors, allons-y. Nous vivons de la discrimination depuis les débuts de la colonisation. Par exemple, ce n'est qu'en 1960 que les membres des Premières Nations ont obtenu le droit de vote au fédéral et en 1969 au Québec. Et
dans un article daté justement du 1er mai 1969, le grand titre « Québec accorde le droit de vote aux Indiens ». Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté hier en troisième lecture, avec quelques modifications mineures seulement, le Bill 7 modifiant la loi électorale et accordant le droit de vote aux Indiens lors d'élections provinciales. Le projet de loi adopté hier a pour objet de donner aux Indiens domiciliés dans des réserves. Encore une fois, on spécifie, ce sont les Indiens domiciliés dans les réserves. Donc, ceux qui sont hors réserve ne sont pas concernés par le Bill en question. C'est vraiment les Indiens qui sont à leur place, en guillemets. Évidemment, ce n'est pas mon opinion du tout, mais c'est ce que la formulation du Bill 7 laisse entendre. Les Indiens qui sont à leur place vont avoir le droit de vote. D'être inscrits sur les listes électorales et de voter aux élections pour le choix des députés à l'Assemblée nationale. On peut se poser la question, est-ce qu'il va vraiment y avoir des députés autochtones issus des réserves? On peut se permettre d'en douter en 1969. Un seul amendement a été apporté au projet de loi et fut soumis par le premier ministre lui-même. Il apporte certaines précisions supplémentaires nécessitées par le fait que les présidents d'élection, en raison de la nouvelle loi, devront diviser différemment les districts électoraux. Donc, encore une fois, on a l'impression que le fait d'inclure les Autochtones dans la démocratie, ça cause des problèmes pour les Blancs parce qu'ils doivent revoir les districts électoraux. C'est vraiment fatigant de revoir les districts électoraux pour faire plaisir aux Indiens et leur donner le droit de vote. Fin du commentaire éditorial. Alors, comme on peut le voir, c'est un rappel clair et direct du racisme et de la discrimination vécu par l'ensemble des peuples autochtones au cours de l'histoire et de leur relation avec les Blancs. Et, ironiquement, le droit de vote a été accordé aux Autochtones plusieurs années après le droit de vote. Après que le droit de vote ait été accordé aux femmes, qui elles-mêmes l'ont obtenu de hautes luttes, et, soyons francs et honnêtes, tardivement dans l'histoire du Québec. D'ailleurs, le Québec a été la dernière province à accorder le droit de vote aux femmes. Donc, quand on dit qu'on est une province ouverte et qu'une société ouverte et généreuse et tout, on peut apporter certains bémols. Vous m'excuserez des commentaires éditoriaux, je m'en permets un petit peu. Alors, on passe à quelque chose d'un peu plus positif, j'allais dire, de plus joyeux, mais ce n'est pas vrai, parce que c'est important de parler, particulièrement pour les Autochtones, de parler des épisodes traumatisants, de parler des blessures historiques qu'ils ont vécues. Mais cette fois-ci, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on s'en va vraiment du côté positif, donc on va valoriser. On s'en va du côté de la valorisation cette fois-ci, avec la collection « Nos grands héros d'ici » aux éditions Ozu Canada. Ozu Québec, pardon. Donc, voilà, 5 histoires de personnalités autochtones inspirantes. Donc, d'emblée, on est vraiment dans une optique beaucoup plus rassembleuse, beaucoup plus positive aussi. Donc, on sous-entend, avec le titre de la collection, on sous-entend qu'il peut y avoir des Autochtones qui sont des grands héros du Québec, de l'histoire du Québec et du Canada, ce qui est une reconnaissance, à mon sens, essentielle d'un point de vue historique. Donc, je vais vous lire la C4 pour vous mettre dans l'ambiance un peu, vous donner une idée du contenu du documentaire. Donc, connais-tu Mimbertou? Sais-tu quel exploit a accompli Kateri Tekakwitha? Découvre les réponses à ces questions et bien d'autres encore dans cet ouvrage concret et rehaussé d'illustrations colorées. Initie-toi au destin de 5 personnalités autochtones qui ont marqué l'histoire. Des hommes et des femmes d'exception qui ont réalisé de grandes choses qui resteront gravées dans nos mémoires à jamais. Puis, à la fin des récits, approfondis tes connaissances sur chacune des légendes autochtones. Un ouvrage simple et concis pour apprendre à aimer l'histoire d'ici. Donc, encore une fois, l'histoire d'ici, on vient réaffirmer que les Autochtones font partie de notre histoire et que leurs histoires et leur histoire avec un grand H méritent d'être racontées et d'être transmises aux enfants. Je vais également vous lire la préface qui est signée Michel Feu et regretté Michel Noël. Les nations amérindiennes et inuites comptent de nombreux personnages illustres. Ces hommes et ces femmes sont des chefs valeureux, des guerriers courageux, des artistes de grand talent, des travailleuses et des travailleurs pleinement engagés dans la sauvegarde de la langue et de la culture de leur peuple. J'ai écrit l'histoire de ces personnages car je veux que ces êtres exceptionnels soient davantage connus et appréciés de tous. Encore aujourd'hui, plusieurs personnalités amérindiennes et inuites se distinguent par les actions qu'elles posent chaque jour. Elles s'inspirent de notre passé et nous ouvrent les portes de l'avenir. Soyons fiers de ceux et celles qui consacrent leur vie et leur talent au bien-être de leur peuple. Ce sont les modèles à suivre. Marchons tous ensemble dans les traces de leurs mocassins. Donc, comme on voit, l'histoire telle que racontée
du point de vue autochtone, est une histoire qui se veut rassembleuse, est une histoire qui veut s'inscrire dans l'histoire des Blancs aussi, non pas en parallèle, mais au sein même de l'histoire globale du Québec et du Canada. Donc, ce n'est pas une histoire parallèle, ni une histoire qui veut se substituer. C'est simplement une histoire qui veut prendre sa place et qui veut montrer qu'au-delà des clichés et des stéréotypes, les Autochtones ont eux aussi des figures marquantes qui ont un impact durable à la fois sur leur propre communauté, mais aussi sur l'histoire du Québec et du Canada. Donc, les personnages qui y sont présentés, on a Membertou, qui est un chef et chaman du 16e siècle. C'est le premier chef autochtone à accueillir les colons français. Il était établi à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, donc qui va devenir l'île du Cap-Breton, qui va éventuellement intégrer la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est lui qui a créé une alliance avec Samuel de Champlain, et qui a été en fait la première alliance entre Autochtones et Français qui a permis le commerce des fourrures et la colonisation. Donc, sans ce chef autochtone, la Nouvelle-France n'aurait fort probablement pas eu le développement qu'elle a eu, et qui sait où nous serions aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce premier contact qui était basé sur la confiance, le respect et l'amitié. Ensuite, le deuxième personnage, c'est Kateri Tekakwitha, en fait, Sainte Kateri Tekakwitha, devrais-je dire, qui est une jeune fille Mohawk née au 17e siècle. Donc, en raison de sa grande foi et de sa dévotion chrétienne, elle va se faire baptiser en 1676 et elle va être baptisée du prénom français Catherine, qui va être inspiré de Kateri. Donc, on va la baptiser Catherine. Elle va mourir de maladie à seulement 24 ans. Donc, elle était de santé très, très fragile depuis sa naissance. Elle va mourir de maladie à 24 ans. Elle a contracté dans sa jeunesse la petite vérole, donc son père, sa mère et son frère en sont morts, mais elle a survécu. Et à sa mort, les cicatrices dues à la petite vérole sont réputées pour avoir disparu. Et son corps aurait été nimbé d'une lumière bleue qui rappelle le ciel d'été sans nuages. Donc, on va évidemment parler de miracles et elle va être béatifiée dans les années 80 avant de devenir en 2012 la première autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée par le pape Benoît XVI. Donc, elle est devenue en 2012 Sainte Kateri Tekakwitha, qui est la première sainte, en fait, le premier saint, que ce soit homme ou femme, autochtone en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même un accomplissement très, très important. Et elle était reconnue à la fois pour sa foi chrétienne, sa dévotion, mais aussi pour sa bonne humeur et la joie de vivre qu'elle apportait aux gens autour d'elle aussi. Donc, c'est important de mentionner que ce n'est pas uniquement par sa dévotion catholique et chrétienne qu'elle a été une figure marquante, c'est aussi vraiment par son attitude toujours joviale et positive, malgré les obstacles qui se sont dressés devant elle dans sa courte vie. Vient ensuite Louis Riel, politicien métis, qui est probablement l'une des figures autochtones les plus connues de l'histoire du Canada. Donc, en 1869, Riel mène un premier mouvement de résistance qui va lui-même mener à la création de la province du Manitoba. Donc, il va se battre pour les droits des Métis de Rivière-Rouge. Et là, quand on parle de Métis, c'est vraiment avec un M majuscule et c'est une communauté autochtone reconnue. Donc, il faut faire la distinction avec les personnes qui ont des origines, deux parents d'origine différente. Justement, donc le terme métis est vraiment une communauté autochtone reconnue. Et en 1885, Riel va se joindre aux troupes métis et autochtones à Batoche, en Saskatchewan, pour y mener la bataille de Batoche, justement, contre la gendarmerie royale du Canada, qui, à l'époque, était la police des territoires du Nord-Ouest, dont faisait partie la Saskatchewan. Et le 16 novembre 1885, c'est la pendaison de Riel pour trahison envers le Canada. Et encore aujourd'hui, le statut de héros de Riel est parfois remis en question parce qu'on l'accuse vraiment d'avoir été un traître à la nation, alors qu'au contraire, toute sa vie, il s'est battu pour les droits de sa communauté, les droits des Métis. Donc, les accusations de trahison, disons, sont clairement d'un point de vue blanc, parce que d'un point de vue autochtone, il a toujours été fidèle à sa nation, fidèle aux siens. Aussi, il s'est battu jusqu'à la mort pour faire respecter leurs droits. Donc, la quatrième figure qui est présentée, c'est Joséphine Bacon, poète Innu, qui est encore vivante. D'ailleurs, c'est le seul personnage du documentaire qui est encore en vie aujourd'hui.
née en 1947. C'est une figure incontournable de la culture autochtone du Québec qui est reconnue à travers le monde aussi pour ses recueils de poèmes. Elle a aussi écrit et réalisé des documentaires. Elle a travaillé comme interprète pour la communauté Innu auprès de plusieurs anthropologues et ethnologues également. Donc, c'est une figure incontournable de l'histoire du Québec et de l'histoire culturelle aussi du Québec. Et on termine avec Ta-Mussi Kumak, qui est un homme politique inuit du 20e siècle. Donc, c'est lui qui est responsable du développement moderne des Inuits du Nord québécois. Il a entre autres participé à la création de la première coopérative privée dans l'Arctique canadien. Il a aussi été le président de la première caisse populaire première caisse populaire inuit au Québec aussi. Et il a laissé en héritage le premier musée consacré à la tradition inuit au Québec. Donc, comme on peut le voir, c'est un personnage qui était très important pour sa communauté et qui s'est battu pour que les populations inuites soient reconnues et qu'ils aient accès à des meilleurs services et qu'ils puissent entrer dans la modernité, non pas à la manière des Blancs, mais bien à leur manière à eux, en respectant leur culture et leurs traditions. Et mentionnons que après chaque biographie, on retrouve une section hommage qui répertorie les différents hommages et récompenses que chacun des personnages présentés a récolté. On a aussi une section vocabulaire qui va expliquer des mots un peu plus compliqués. Et on a des pistes de réflexion et d'exploitation. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, j'ai pris Joséphine Bacon, comme elle est encore en vie. Donc, par exemple, piste d'exploitation et de réflexion, et je cite, « Que veut dire Joséphine Bacon quand elle affirme « Écrire un poème, pour moi, c'est marcher dans ma mémoire. » Et ensuite, deuxième piste de réflexion et d'exploration, « Le journaliste Jean Fugère a déjà affirmé que Joséphine est le pont le plus merveilleux entre la culture amérindienne et les Blancs. Trouve des exemples dans la vie professionnelle de Joséphine qui confirment cette affirmation. » Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas seulement présenter des personnages, on va inviter les enfants à s'intéresser encore davantage à la vie et à l'impact de ces personnages-là en leur proposant des pistes de réflexion et des pistes d'exploitation. Alors, c'était la fin du premier bloc. Donc, je vois que le temps file quand même. Je vais essayer de me... Je pense pas qu'on va se rendre au troisième bloc, malheureusement. Mais en même temps, j'aime mieux quand même me concentrer sur l'histoire autochtone plutôt que d'aller du côté allochtone. Donc, on entre maintenant dans le bloc sur les pensionnats dans la fiction autochtone. C'est un sujet qui est sensible, dont on a longtemps occulté l'importance parce que c'est un côté sombre de l'histoire du Canada et du Québec. Évidemment, ça n'a rien de glorieux, donc on n'a pas voulu le mettre de l'avant. Mais ce faisant, on a effacé à la fois l'histoire et les traumatismes des populations autochtones, et tout ça pour préserver notre propre sensibilité de blanc. Heureusement, grâce à la commission Vérité et réconciliation menée entre 2018 et 2015, la question des pensionnats autochtones est apparue dans l'actualité du Canada et n'en est plus jamais ressortie. Depuis, on a découvert des sépultures d'enfants sur plusieurs sites d'anciens pensionnats. On a eu la visite du pape très récemment ici à Québec, justement, pour présenter les excuses officielles de l'Église. Donc, les choses ont bougé. Il y a eu un bouleversement dans les rapports entre les Blancs et les Autochtones, ainsi qu'une prise de conscience de la nécessité de comprendre davantage cette période historique. Plusieurs histoires jeunesse ont été écrites sur le sujet par des créateurs et des créatrices autochtones. Personnellement, j'y vois une nécessité de libérer la parole et de ne pas oublier cette période sombre de l'histoire du Canada et de nommer le traumatisme aussi que cette période-là a été pour les Autochtones qui ont vu leurs enfants arrachés des communautés pour être placés de force. Parce que c'est ça aussi. C'est vraiment, on en parle un peu dans Odibi, justement, la question des pensionnats. C'est un des traumatismes aussi, c'est que ces enfants-là n'ont pas été là par choix. Les parents n'ont pas choisi de les placer dans les pensionnats. C'est vraiment le gouvernement aidé de la police et de l'Église catholique qui les ont forcés à se retrouver dans les pensionnats. Donc, j'ai trois histoires. J'aurais voulu les lire, mais je n'aurais pas le temps. Je vais quand même les présenter. Donc, Les mots volés, qui racontent l'histoire. En fait, c'est une petite fille qui rentre de l'école. Donc, c'est une petite fille crie qui rentre de l'école et elle demande à son grand-père de lui dire quelques mots en langue crie, et son grand-père, à son grand désarroi, se rend compte qu'il a oublié
sa langue et sa petite fille essaie de comprendre pourquoi. Et c'est là que le grand-père va lui raconter son expérience dans les pensionnats où on l'a obligé à apprendre le français et on l'a obligé à ne plus parler sa langue. Et cet album-là, à mon sens, est magnifique parce qu'à la fin, la petite fille va trouver un moyen avec son enseignante de redonner les mots volés de son grand-père en mettant sur pied un dictionnaire de langue crie français pour que le grand-père puisse retrouver les mots qu'on lui a volés. Donc, celui-là a une fin heureuse, c'est quand même quelque chose qui est très positif. Quand j'avais 8 ans, celui-ci a été... Donc ça, c'est vraiment la narratrice qui, elle, raconte quand elle avait 8 ans et qu'elle s'est retrouvée au pensionnat. Donc, elle raconte son expérience du pensionnat. Donc, je vais quand même lire le quatrième de couverture pour celui-là. Ça montre bien le contenu du livre. Donc, Oleman a 8 ans et elle est déterminée à fréquenter l'école lointaine où elle pourra apprendre à lire, même si elle doit quitter son île de l'océan Arctique. Les religieuses de cette école font tout pour lui enlever sa dignité. Elle change son nom et l'appelle désormais Margaret, coupe ses longues tresses et l'oblige à accomplir des corvées. Toutefois, la fillette courageuse désire plus que jamais apprendre à lire. Inspirée de l'histoire vraie de Margaret Pocock Fenton, cet album éclaire les jeunes lecteurs sur la biographie de l'auteur, déjà évoquée dans un ouvrage plus volumineux intitulé « Les bas du pensionnat ». Ainsi, ils pourront faire la connaissance de cette fillette remarquable qui nous rappelle à tous le pouvoir des livres. Donc, justement, c'est coécrit par Margaret Pocock Fenton. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment une fiction autobiographique qui est... ça, c'est la version album, donc des bas du pensionnat, qui était déjà un roman autobiographique. Et il y a une suite à cet album qui est paru cette année, qui s'intitule « Où est ma fille? ». Donc, l'histoire se situe 2 ans après, et là, Margaret rentre chez elle dans le nord de l'Arctique, et elle se rend compte qu'elle a tout oublié de sa langue et de sa culture, donc sa mère ne la reconnaît plus. Et là aussi, cette fois-ci, c'est un autre roman biographique qui était la suite des bas du pensionnat qui a été porté en album. Donc cette fois-ci, c'est vraiment, on a affaire à un album autobiographique qui raconte les sévices vécus et les conséquences des pensionnats sur une jeune autochtone. Et on finit avec un album, probablement un des plus marquants, je pense, sur la question des pensionnats, qui est « Je ne suis pas un numéro ». Là aussi, je vais lire la quatrième de couverture au moins, au minimum. Donc, Irène et sa famille vivent dans la réserve de la Première Nation de Nipissing. Un jour, un agent du gouvernement se présente chez eux pour emmener la fillette et ses 2 frères dans un pensionnat très loin de leur maison. Les parents d'Irène ne veulent pas y envoyer leurs enfants, mais ils n'ont pas le choix. Sa mère la prend dans ses bras en disant « N'oublie jamais qui tu es ». Irène n'a aucune idée de ce qui l'attend dans cette école résidentielle. Durant toutes les épreuves qu'elle va traverser, elle se raccrochera aux paroles de sa mère et n'oubliera jamais qui elle est, ni d'où elle vient. Donc, la référence au numéro, en fait, c'est que dans plusieurs pensionnats pour briser, entre guillemets, les jeunes autochtones, on leur retire leur nom pour leur donner un numéro. Donc, on leur retire leur identité pour les faire rentrer dans le moule des Blancs, pour les civiliser. Et pour ce faire, on va leur couper les cheveux, on va brûler leurs vêtements et les objets qu'ils ont pu apporter avec eux, qui les relient à leur communauté, et on va leur donner un numéro. Souvent, c'était le numéro de la réserve où ils habitaient qui a été déterminé par le gouvernement, donc les fameux agents du gouvernement. Et là aussi, dans ce cas-ci, c'est la grand-mère de l'autrice qui a vécu les pensionnats. Donc, cette fois-ci, c'est un témoignage pour maintenir la mémoire d'une survivante des pensionnats aussi. Donc, c'est intéressant de voir quand même, intéressant d'un point de vue objectif, alors que d'un point de vue humain, c'est absolument horrifiant. Mais d'un point de vue objectif et d'un point de vue purement analytique, chacun des albums présente un point de vue différent. On a les souvenirs racontés à une enfant contemporaine. Donc, c'est là, justement, donc dans les mots volés, c'est un grand-père qui raconte ses souvenirs. Donc, on a une forme de médiation. Dans « Quand j'avais 8 ans », c'est une autobiographie. Vraiment, c'est la personne qui l'a vécu, qui se raconte à travers la fiction. Et dans « Je ne suis pas un numéro », on a un hommage à un membre de la famille survivant des pensionnats. Et je vais terminer avec « Le pensionnat », roman de Michel Noël, encore une fois. Donc, en sous-titre en bas, « Une histoire vécue par 150 000 jeunes autochtones ». Donc, déjà là, on rappelle les chiffres qui sont absolument
effarant. 150 000 Autochtones qui ont été arrachés à leur famille pour être placés dans les pensionnats. Donc, dans celui-ci, je vais au moins prendre la peine de lire l'avant-propos. Alors, à la fin du 19e siècle, le gouvernement fédéral canadien a créé de toutes pièces des pensionnats indiens à travers le pays dans le but d'assimiler les Amérindiens et les Inuits. Avec l'étroite complicité des instances religieuses, tant catholiques qu'anglicanes, les représentants de l'État s'en sont pris aux jeunes car, disait-il, c'est auprès des enfants qu'il fallait intervenir pour opérer un changement radical et, ouvrez les guillemets, extirper l'Indien qu'il y avait dans l'Indien, fermez les guillemets. La tragique histoire des pensionnats trouve son origine à la fin du 19e siècle, lorsqu'est né un projet d'éducation en trois volets au service de l'assimilation. Un premier volet comportait une justification pour enlever les enfants de leur village et briser les familles autochtones. Un deuxième contenait une pédagogie précise visant à resocialiser les enfants dans les écoles. Et un troisième prévoyait des façons d'intégrer les diplômés dans le monde non autochtone. Les idées de l'Église et de l'État en matière d'éducation reposaient sur le principe, courant à l'époque, qu'il fallait soustraire les enfants autochtones à leur ouvrez les guillemets, entourage funeste, fermez les guillemets, les isoler de leurs parents, de leur famille et de leur village et les garder en permanence dans le cercle de la civilisation. Toutefois, rien de tout cela ne pouvait se matérialiser tant que les enfants ne seraient pas délivrés des liens qui les attachaient au mode de vie de leurs parents, de leur village et de leur culture. Les agents civilisateurs des églises et du ministère le savaient pertinemment et avaient surtout conscience qu'il ne suffisait pas pour atteindre leur but de rassembler les enfants dans les écoles. Il fallait plutôt se livrer à une attaque concertée sur leur être profond, sur leur schéma culturel de base et sur leur vision du monde. Il fallait leur apprendre à voir le monde comme un lieu européen où seules les valeurs et les croyances européennes avaient un sens et à renier les superstitions de leur culture primitive. Les enfants devaient être coupés non seulement de leurs parents, mais également de leur culture et de leur spiritualité. Ces enfants seraient donc séparés à jamais de leur village, car, même s'ils retournaient chez eux, ils seraient séparés des leurs par le fossé des générations. C'est jusqu'à cette extrémité qu'il fallait aller pour que les élèves indiens cessent d'être des sauvages et accèdent à la civilisation. Donc, dans cette préface, non seulement on sent la douleur d'un membre des communautés autochtones par rapport à l'histoire des pensionnats, mais on sent aussi une colère, j'allais dire une colère sourde, mais ce n'est pas vrai, c'est une colère ouverte par rapport à ce qui a été fait à la volonté gouvernementale avec la complicité de l'Église aussi. Donc, on sent un ton revendicateur qu'on va retrouver dans tout le roman. J'aurais aimé avoir le temps de lire des citations, mais évidemment, j'avais prévu trop de matériel pour aujourd'hui. Mais honnêtement, cette lecture-là est à la fois éclairante et extrêmement frustrante parce qu'on va y montrer... En fait, on parle, c'est du point de vue de Nipichish et de ses amis. Donc, on va vraiment avoir le point de vue d'un jeune autochtone qui va être arraché à sa communauté et qui va être placé en pensionnat. Et on va montrer les stratégies du gouvernement et tout. Donc, c'est un roman qui est quand même extrêmement dur à lire, même pour un blanc, surtout quand on est conscientisé par rapport à l'histoire des pensionnats. Mais c'est une lecture, à mon sens, extrêmement nécessaire. Donc, je vais juste mentionner rapidement... Dans le blog sur les auteurs allochtones, j'avais Le Marcheur du ciel, où on a un personnage de Mohawk qui est une figure extrêmement positive pour le héros, le narrateur de l'histoire. Donc, on a un personnage autochtone qui va lui-même déconstruire les clichés, les stéréotypes associés particulièrement aux Mohawks, qui sont souvent associés à la contrebande, la crise d'Oka, donc, et à tout ce qui va mal dans la réserve. Donc, cette fois-ci, dans Le Marcheur du ciel, au contraire, on a un renversement de la figure du Mohawk qui devient une figure positive et paternelle pour le héros. Et dans Voyage au bout de l'exil, c'est un roman qui aborde la déportation des Acadiens, mais aussi l'amitié qui va lier les Micmacs aux Acadiens dans leur combat contre les Anglais. Donc voilà, j'aurais au moins mentionné les titres. Alors, en conclusion, avant qu'on me coupe le micro. Donc, en conclusion, on constate, à la lumière de tout ce que j'ai pu présenter aujourd'hui, l'importance de voir davantage d'ouvrages historiques, que ce soit des documentaires, des biographies ou même des fictions historiques, écrites à la fois par des Blancs dans le respect et dans la volonté de comprendre et de créer des ponts, mais particulièrement par des auteurs, autrices, créateurs, créatrices autochtones, de nous présenter leur propre histoire. Et c'est à nous, comme lecteurs, comme public, d'être assez ouverts pour les recevoir et de s'intéresser
à un pan de l'histoire qui a été occulté pendant trop longtemps. Mais heureusement, on a un retour de balancier avec des auteurs, autrices autochtones qui veulent se réapproprier leur histoire et leur culture et qui veulent la remettre de l'avant. Et il n'en tient qu'à nous d'être à l'écoute. Et heureusement, la littérature jeunesse, à mon sens, c'est une de ses grandes forces, c'est qu'elle permet de créer des liens, d'ouvrir des dialogues qui sont parfois plus difficiles pour les adultes. Donc, grâce à la littérature jeunesse, sans aucun doute que des ponts et des nouveaux dialogues pourront être ouverts entre les Blancs et les Autochtones afin de se réapproprier notre histoire commune et afin de cheminer, donc de savoir d'où on vient pour savoir où on va et en espérant qu'on ira au même endroit ensemble dans le respect et la dignité. Merci.